plein de bois pourri, encore assez humide. Il y a eu une infiltration aussi. Tada ! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce que je filme actuellement avec un tout nouvel appareil photo. J'ai racheté un boîtier tout simplement pour pouvoir brancher un micro directement sur ma caméra parce que c'était vraiment trop de boulot en fait de devoir resynchroniser à chaque fois l'image et le son. Et donc évidemment, voilà, j'espère que ça se ressentira aussi au niveau de la qualité. Donc c'est l'épisode numéro 2 dans Gaston. Alors c'est vrai que je t'ai posté la première vidéo il y a quelques temps déjà, mais c'est parce qu'il s'est passé plein de choses et du coup j'étais pas mal occupée par rapport à Gaston. Et donc je vais t'expliquer tout ça. Et je pense que la première chose qu'on va faire, c'est un petit haul pour t'expliquer tout ce que j'ai acheté, dans quoi j'ai investi pour l'instant au niveau de Gaston, parce qu'il y a eu pas mal de surprises, donc je vais t'expliquer tout ça. Alors déjà, mon shopping a énormément changé puisque j'ai fait l'acquisition de pas mal de, voilà, de fournitures de bricolage, quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie à part peut-être quelques tournevis quand je devais monter des meubles Ikea. Et donc bah, je vais te montrer un peu tout ça, et peut-être que si tu débutes aussi dans tout ce qui est van life, voilà, ça va peut-être t'aider aussi, et tu vas te reconnaître certainement dans beaucoup de choses que je vais te partager aujourd'hui. Mais donc déjà, j'ai dû m'acheter un kit de bricolage de base, hein, parce que j'ai pas grand chose en termes de fourniture de bricolage. J'étais passée chez Ikea et j'ai acheté ce petit kit bien pratique avec différents embouts, je sais pas si tu vois ici, différents embouts pour tout simplement les mettre sur par exemple le tournevis, une petite pince de base, un marteau. Et je trouve que ce genre de kit, bah, c'est pratique en fait quand bah, t'as juste besoin d'un kit de base avec les fournitures de base. Donc voilà pour ce petit achat. Ensuite, je t'expliquerai pourquoi après, mais j'ai dû acheter tout ce qui est voilà, silicone pour quelque chose que je vais t'expliquer juste après. Et donc bah, j'ai dû acheter le fameux pistolet à silicone ainsi que des têtes pour les changer. Ensuite, bah, tout simplement une petite, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros c'est pour retirer les joints, qui ont un peu vieilli avec le temps. Donc je suis un peu en train de te spoiler là par rapport à Gaston, mais voilà, en voyant les ustensiles, je pense que tu vas comprendre ce que j'ai dû faire. Rien d'exceptionnel, mais j'ai acheté des petits scotch qui sont là juste quand on veut par exemple coller quelque chose en attendant ou bien pour peindre, ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose. Alors j'ai dû aussi investir dans un nouveau petit robinet tout simplement parce que la cuve d'eau a un robinet mais qui coule un peu, et donc du coup bah j'ai acheté ce robinet qu'il faut encore poser, mais il est là. Je l'ai même pas encore déballé en fait, c'est juste un mètre parce que j'en ai un dans ce que je vais te montrer juste après. Je vais pas te spoiler, mais bref, voilà. Voilà encore une petite je sais même pas comment ça s'appelle, les gars, franchement aidez moi dans les commentaires parce que j'ai pas le langage bricolage, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé dans les travaux dont je vais parler par la suite. Et puis la base des petits gants tout simplement pour bosser en protégeant quand même ses mains. Et aussi autre achat, un cadenas donc pour rajouter sur la porte de la cellule de Gaston. Pas s'il va focus. Donc en gros voilà, c'est pour la rajouter à la porte de la cellule pour un peu sécuriser quand même, parce que ça me semble assez léger la fermeture de la porte. Ça fera pas de mal de sécuriser un peu Gaston. En dehors des fournitures de bricolage, je vais aussi te montrer ce que j'ai pu acheter. Donc déjà des petits sous-verres, donc en bambou. Je pense qu'ils seront pas mal dans la décoration que je vais faire dans Gaston. Voilà. J'en ai pris en tout 8 puisqu'il y a 4 pièces dans chaque. Bon, c'est la Émilie du montage qui s'incruste parce que quand j'ai vu les petits sous-verres en bambou que j'étais en train de te montrer, je me suis dit que je devais absolument te faire une update sur les courses que j'ai fait hier dans ce fameux magasin qui s'appelle Deal et Camille, parce que j'ai acheté d'autres fournitures en bambou pour Gaston. Parce qu'en fait, je me disais que j'avais pas trop envie d'avoir que des fournitures en plastique, parce que tu n'es pas sans savoir que, évidemment, le verre et les vaisselles en verre, tout ça, c'est un peu compliqué dans un camping-car. Mais en même temps, j'aime pas trop tout ce qui est plastique et tout, je sais que c'est pas top pour la santé. Et donc j'avais envie d'acheter des fournitures dans d'autres matières, comme par exemple du bois, et ici en l'occurrence même plutôt du bois de bambou. Déjà, première chose que j'ai acheté, c'est ces petits verres en bambou. Donc j'en ai acheté 4. C'est assez drôle parce qu'on voit que ce sont à chaque fois des pièces uniques, elles sont toutes un peu différentes. Et je trouve ça pas mal mignon. Ça a vraiment son charme, je trouve. Ensuite, ça faisait très longtemps que j'en cherchais juste des sets de table en osier, parce que je trouve que par rapport à ma déco bohémienne chic, ça va bien le faire. Donc voilà, j'en ai acheté aussi 4. Ensuite, évidemment, comme j'adore les sushis, j'ai acheté des petites baguettes.
Alors, je sais pas si tu vois, mais il y a des petits détails comme ça sur le bord des baguettes. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai acheté quatre petites paires comme ceci. Ensuite, une petite planche à découper, trop mignonne aussi, avec des petits détails comme ça. Celle-là, je pense pas que ce soit en bambou, mais en tout cas, je crois que c'est en bois, à mon avis. Donc voilà, trop mignonne aussi. Et alors, une petite plaque en bois pour mettre voilà, les petites casseroles chaudes aussi. Voilà, celui-là, c'est en bambou aussi. Bon, ensuite, ça, j'en ai acheté qu'une, mais c'est une petite paille en bambou. J'avais envie de tester pour voir si ça pouvait tenir sur le long terme. Donc j'en ai acheté une aussi. Voilà, je te laisse à la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai trouvé déjà les couverts pour Gaston. Donc, ils sont, voilà, couleur dorée et je trouvais ça vraiment trop mignon. Je les ai trouvés tout simplement chez Action et je pense qu'avec la décoration bohémienne chic, ça va bien, ça va le faire. Donc, voilà, trop hâte de le tester quand je pourrai habiter dans Gaston. Voilà, en termes de. Je pense qu'en termes de shopping Gaston, on est bon. Ah non! J'ai failli oublier le plus important. Tada! Je sais pas si tu vois, mais en gros, c'est une visseuse foreuse. Alors, je pensais jamais que j'allais acheter ce genre de choses. On s'est vite rendu compte pendant les travaux dans Gaston que dévisser ou visser tout à la main, ça donne vite des cloches aux mains et c'est horrible. Et en termes d'efficacité, du coup, on est vite épuisé. Donc, j'ai acheté, sous les conseils de mon copain, cette visseuse foreuse. Qui est vraiment, bon, apparemment c'est une marque connue de bonne qualité et je vais te montrer un peu tout ce que ça comprend. Donc je ne connais pas encore tout, mais a priori donc ça ce sont les mèches pour forer. Ici donc les différents embouts pour visser, dévisser qui sont classés, en plus on voit les petits dessins donc c'est hyper pratique. Ouais, ça je pense que c'est pour enfiler justement je pense que ça s'appelle un pas de vis, mais bon, corrigez-moi si jamais je me trompe. Oups. Ici, pareil encore pour forer. Ici, voilà, je pense que c'est pour déboulonner. Donc, il y a différents embouts aussi. Il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, ici, on a déjà un mètre. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas déballé l'autre en vrai. Il y a un cutter et puis là, il y a un autre. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. C'est avec des toutes fines lames comme ça. Donc, si quelqu'un sait ce que c'est, on dirait un mini cutter. Je sais pas si c'est ça. Alors, il y a des petites vis qui traînent parce que quand j'avais tiré le lanterneau, je les avais rangées là pour pas les perdre. Ici, je pense que c'est encore pour. Dévisser. Mais voilà, après je sais pas encore trop, j'ai pas encore tout utilisé donc il y a encore plein de choses que je dois apprendre, mais voilà, je voulais te montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Et donc évidemment, je vais te montrer le principal intérêt de cette acquisition. Je la trouve vraiment chouette, même si je ne connais pas du tout en visseuse foreuse, mais ce qui est cool c'est qu'elle est pas trop grosse et donc du coup bah ça fit, je sais pas si tu vois. Mais ça fit bien avec ma main, donc ça c'est cool. En fait, j'ai deux batteries, une ici et une qui est là. Si je me trompe pas, c'était une 18 volts, il me semble. Et donc elle est assez puissante. Et voilà, je pense que je vais pouvoir faire pas mal de choses avec. Et elle est, je pense que c'est voilà, une bonne qualité. Bon, je m'incruste une deuxième fois dans la vidéo parce qu'il y a une partie qui ne s'est pas enregistrée, je ne sais pas pourquoi. Et donc je vais t'expliquer pour cette deuxième partie de la vidéo ce qui s'est passé et ce qu'on a découvert dans Gaston qui n'est jamais très agréable à découvrir dans un camping-car. Et je pense que si tu as vu la miniature et le titre, tu sais de quoi je vais te parler. En fait, on a voulu changer un peu la déco de la Capucine. Et donc il y avait des plaques en bois enrobées d'un tissu assez douteux, ou en tout cas un tissu assez vieux pour ne pas dire miteux, et donc on s'était dit bien on va retirer ces plaques pour pouvoir les recouvrir d'autres choses et en faire quelque chose de plus joli en termes de décoration et qui s'adaptera aussi beaucoup mieux au style que je veux donner à Gaston. Et en fait, en retirant ces plaques, et bien on est tombé sur une surprise pas très agréable, plein de bois pourri, encore assez humide, donc voilà, une infiltration qui est là depuis un certain temps. Je vais te montrer toutes les images et je t'explique tout ce qu'on a fait par la suite. Comme tu peux le voir ici, on a dû tout déblayer et couper toute une partie là, déblayer tout ça. En gros, on a dû ici retirer toute la partie pourrie. Donc on a coupé une partie ici du plancher
Et ici évidemment une partie de frigolis. On a retiré tout ce qui était pourri là. Et du coup on a mis de nouveaux tasseaux ici. Donc tout ça en fait avant c'était pourri. C'était des bois pourris. Et voilà ce qu'on a travaillé. Évidemment on a dû faire la même chose ici parce que c'était vraiment tout le coin là qui était pourri en fait. À remplacer comme on pouvait. On a rajouté ici aussi un tasseau. Et on l'a mis jusque ici à peu près. Parce que bon, ça avait pas l'air d'être pourri plus loin. Et j'ai essayé aussi moi d'aller un peu plus loin ici pour voir si il y avait pas pire de l'autre côté. Il faut savoir qu'on n'est pas, peut-être petit disclaimer ici, on n'est pas des experts camping-car. Donc mon copain est assez bricoleur et il a pu pas mal m'aider dans l'histoire, mais on a fait ce qu'on pouvait et surtout on a fait un peu de la récup. On a essayé aussi de faire en sorte de rafistoler les choses parce que visiblement d'autres personnes avaient chipoté avant de ce côté-là et c'était pas hyper bien fait non plus, et donc on a essayé de faire notre possible. Moi j'ai beaucoup travaillé à l'intérieur de la capucine, j'ai vraiment avec un marteau et tout pu casser tout, toute la partie là, c'était hyper long. Et après mon copain lui s'est occupé de refaire tous les joints en fait à l'extérieur de la capucine, donc en fait ce que tu vois là, toute la partie là et même ici au-dessus, ça a été refait de l'autre côté au niveau des joints. Donc voilà un peu ce qui a été fait. Et en fait il y a eu aussi, donc ce qu'on a vu c'est qu'il y avait un impact donc d'abord là au niveau de la baie et un impact ici. Donc en attendant pour l'instant on a mis du silicone pour boucher pour pas que ça coule, et ici un peu plus délicat parce que il y a eu une infiltration aussi via cet endroit là. Donc nous sommes toujours à la recherche d'une baie pour remplacer celle de la capucine, et ça a l'air assez compliqué de trouver une baie comme ça de capucine de camping-car, encore plus un camping-car qui date de 1991. Si jamais vous savez où je peux trouver ça pour le remplacer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai fait pas mal de recherches et pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé, donc ça restera comme ça pour l'instant, mais ce serait quand même bien de pouvoir le remplacer un jour. Je te montre à quoi elle ressemble si jamais tu peux me trouver cette baie ou que tu entends parler d'un endroit où on peut remplacer ça. Donc voilà pour le gros taf au niveau de la capucine, donc c'est pour ça aussi qu'il y a, le chantier est un petit peu ralenti. Et il y a une deuxième chose qui est arrivée par rapport au toit du salon. Voilà, comme je te montrais tout à l'heure le toit. Ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant, après avoir travaillé dans la capucine, il y avait une grosse flaque d'eau juste ici. Donc on a retiré, enfin moi j'ai amusé à retirer le plafond pour voir où il y avait de l'eau. Et on a refait du coup tous les joints au-dessus aussi derrière, donc parce qu'en fait sur Gaston il y a une partie qui descend au niveau du toit, et on a refait tous ces joints là. Donc voilà, parce qu'on s'est rendu compte en faisant avec un flexible, donc en jetant de l'eau, qu'en fait finalement ça passait surtout par une partie du lanterneau. C'est quand il y a du vent en fait et que la pluie est chassée que ça passe par là apparemment. Donc j'espère qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave. Mais donc par précaution on a quand même refait tous les joints de ce côté là. Et l'idée c'est de refaire absolument même les autres joints de Gaston parce qu'ils sont vieux, ils sont craquelés. Et pour éviter d'autres problèmes, on va s'atteler à ça assez rapidement. Donc ça va être un peu le prochain taf. Donc écoute, je pense que j'ai dit une grosse partie. Et voilà, c'était un peu intense en tout cas quand on a eu ce problème d'infiltration et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos. Mais voilà, j'espère que ça te fait plaisir d'avoir des nouvelles de Gaston. Et n'hésite pas, si t'as des conseils par rapport à la baie ou que voilà, tu regardes cette vidéo et que t'as des conseils à me donner, n'hésite pas. Je suis bien sûr preneuse de tout bon conseil. Et puis voilà, j'espère que bientôt je pourrai habiter dans Gaston et qu'on pourra partir à l'aventure ensemble. Pour l'instant, c'est beaucoup des vidéos où je partage tout ce qu'on est en train de faire dedans. Donc c'est pas trop aventure, mais voilà, je pense que ça fait partie du jeu. Et quelque part, je trouve ça quand même intéressant et important de partager aussi ces étapes-là qui font partie en fait de la van life, même si c'est pas encore l'aventure.
Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire et j'espère que cette première vidéo un peu plus spontanée avec mon nouvel appareil et mon micro, ça va te plaire en sachant que bon, j'ai pas tourné au meilleur moment puisque là le soleil est en train de se coucher, donc c'est possible qu'il y ait parfois une mauvaise lumière ou un manque de focus. Mais je compte sur toi pour être indulgent, indulgente avec moi. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode avec Gaston et je te dis ciao ciao.